Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Profondeur consacrée à une seule personne, un jeune frère que j'estime intelligent, vous en jugerez, avec lequel nous allons parler de notre pays. Je crois que c'est intéressant de temps en temps que nous fassions parler ceux qui sont partis et qui sont revenus, qu'ils nous disent quelle est la photographie qu'ils ont, quel est le film qui se déroule devant leurs yeux quand ils quittent le pays et lorsqu'ils arrivent là-bas et quand ils reviennent également. C'est intéressant d'avoir ce son de cloche. C'est peut-être aussi des opportunités pour certains, sait-on jamais. Alors, monsieur Eric Impiang, et Bani, bonsoir et bonjour. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Vous savez, quand je lis Impion, moi qui ai fait tout le tour du Congo, je devine de quelle province vous venez. Ce n'est pas l'important. Alors, première question, quelle est l'idée, l'image que vous vous faites du Congo une fois dans le bain, véritablement dans le bain de l'Amérique profonde? Le Congo, ça vous fait quoi? Ça vous dit quoi? Je voudrais que vous soyez le plus sincère possible. En quittant le pays, vous, comme la plupart de ceux qui quittent, nous n'allons pas nous voiler la face. Nombreux partent parce que la situation économique n'était pas bonne, ou ils font le choix de, lorsqu'ils ont l'opportunité de partir. Donc au départ, moi j'ai émigré aux États-Unis il y a 9 ans, et à l'arrivée, vous vous dites, ok, ça y est, j'oublie le mal congolais, je me donne une nouvelle vie ailleurs où tout est ok. Donc les premières années, vous êtes concentré à vous acclimater, à vous habituer à la vie de là-bas. Donc pour vous, comme je le dis, le cauchemar est resté derrière vous. Mais avec le temps, après avoir visité le pays, fait le touriste quand vous arrivez, vous vous rendez compte qu'en fait la vie, elle est difficile partout. C'est vrai que dans certains milieux, la vie offre plus d'opportunités que les autres, mais elle est difficile partout. Et là, vous réalisez deux choses. Vous réalisez en tant que Congolais, d'une part, la mauvaise image que le pays a, notamment avec tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux et tout ça, mais aussi la présentation des statistiques, des données sur le pays, sur la corruption, sur ceci, sur cela. Et donc vous vous dites, c'est le cauchemar, ce n'est plus un cauchemar, c'est un enfer et il est loin de moi. Parce que vous vivez dans une autre culture où les choses sont mieux organisées. Mais aussi, très vite, vous réalisez que ce fameux enfer ne l'est pas totalement, ne l'est pas en fait, parce que vous visitez, moi j'ai l'opportunité, je suis entrepreneur, je voyage énormément, pas seulement aux États-Unis, en Europe et en Asie pour affaires, vous arrivez dans certains milieux, vous visitez certains coins et vous vous dites, tiens, au Kivu on a meilleur que ça, au Bandundu on a meilleur que ça. Vous visitez certains sites, vous réalisez que si eux ont pu mettre en valeur ceci, nous on peut faire mieux. Et vous réalisez qu'en fait, le Congo n'est pas l'enfer. Ça peut être le paradis. Et là, ça vous tape dans la tête. Vous vivez bien, mais vous vous dites, voilà, il y a quelque chose que j'ai laissé là-bas, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, c'est cette double image. Oui. Et moi, aujourd'hui, c'est plutôt l'image du paradis que j'ai du Congo. Mais un paradis non valorisé. Un paradis à refaire ou à faire. Voilà. Avec votre contribution. Est-ce qu'à un certain moment, durant vos 9 ans, vous vous êtes senti nostalgique? Vous avez senti la nostalgie du Congo? Non. De manière permanente. Déjà par rapport à la nourriture, je mange congolais 9 ans après. Nous mangeons congolais, mis à part, nous mélangeons, mais principalement notre nourriture, elle est congolaise. Je suis revenu pour la première, je suis parti en 2012, je suis revenu en 2017, pratiquement 5-6 ans après.
J'avais cette peur-là, que comme on a dit, cet enfer que vous avez laissé, vous vous dites, bon, il y a la famille, il y a maman, et il faut quand même qu'on aille voir. Vous arrivez avec la peur dans le ventre, vous vous dites, voilà, chaque jour, est-ce que je reviendrai, est-ce que... Après ce séjour de 3 semaines, je repars, et 3 mois après, vous vous réalisez qu'en fait, le pays, les 3 semaines que vous avez passées, étaient très courts. Et vous vous dites, il faut que je repars. 2018, je reviens. À quoi on s'accroche quand on est... Allez, à quoi on pense tout de suite? Vous avez parlé de la nourriture. Et quoi encore? Ce bien-être, vous savez, au-delà de l'Amérique, l'Amérique n'est pas le paradis non plus. Oui. Il y a aussi ce côté négatif. Une société qui trop, fonctionne trop bien très réglé. Vite. Trop vite, et il suffit de faire une petite erreur, ça peut vous prendre 3, 4, 5 ans pour le récupérer. C'est comme ça que vous voyez qu'au-delà de la société forte qui est la société américaine, il y a plein de personnes qui vivent dans la rue, il y a des gens diplômés qui n'ont pas de travail, parce qu'il suffit que votre casier judiciaire soit noirci et vous avez du mal à trouver du travail. Donc, vous réalisez subitement que, en fait, au Congo, il y a des choses qui m'arriveraient jamais. Il y a des choses que, voilà, au Congo, je peux me permettre ceci et cela. Mais aussi, il y a cet aspect des choses. J'ai travaillé ici comme informaticien. J'étais un peu dans le consulting. Avoir un capital social était assez difficile, il faut le dire. Avoir 10 000-15 000 $, c'était assez compliqué. Mais vous arrivez là-bas, vous réalisez que, voilà, ici, j'ai 10 000-15 000 et puis je le dépense comme ça. Et puis, vous vous souvenez un jour que vous avez eu besoin d'avoir cet argent pour lancer une entreprise. Et cela, vous remet un peu les pieds sur terre en se disant, bon, voilà, si je peux le dépenser pour des choses normales, mais est-ce que je ne peux pas le renvoyer vers le Congo pour que ça me crée quelque chose? Donc, ce sont toutes ces choses qui vous retiennent. Mais il y a aussi la famille, il y a aussi les échos de la famille, le souci de voir la famille. Ça n'a pas de prix, ces choses. Vous revenez, vous allez voir la maman, quel que soit l'endroit où il habite, et vous faites un petit repas, vous mangez, qu'il soit bon ou pas bon, vous reparlez de toutes ces... comment dire, ces souvenirs familiales, ces choses n'ont pas de prix. Oui, la chaleur. Bon, et les autres Noirs, les Haïtiens, les autres Togolais, Africains ou les Haïtiens, les îles, Martiniquais, comment voient-ils le Congo? Parce qu'ils n'ont que l'image que renvoient, je crois, les réseaux sociaux et les télévisions. La télévision ne renvoie que l'image de la rédaction. Quel est le regard qu'ils ont du Congo? Je veux vous raconter une petite histoire. Un jour, dans une classe à l'université, on devait se présenter, c'était le premier jour de classe, et j'ai dit, parce qu'il fallait dire, s'identifier et pourquoi vous avez choisi cette filière de classe. Et j'ai expliqué que je voulais faire, que je venais du Congo, que je voulais faire le business international pour relier... Quand vous dites Congo, c'est vague parce qu'il y a deux... La RDC. RDC, oui. Voilà. Et que je voulais faire le business international pour relier le deux mondes, Amérique et Congo, pour des raisons d'affaires. Et le professeur me dit clairement, le Congo, vous venez du Congo, mais là-bas, il y a la guerre, la vie... Il était assez surpris. Que je parle du Congo, je lui dis, mais ça n'a rien à voir avec l'image que vous avez. Le Congo, c'est une ville moderne, c'est un pays moderne comme vous trouverez New York, Washington. Ils étaient assez surpris. Et donc, je crois que... Parce qu'il y a des gens qui croient qu'à Kinshasa, même, il y a la guerre. Oui, justement. Nous avons fait venir des amis américains au mois de mai. Certains ont refusé de venir parce que pour eux, les groupes armés, la guerre à l'Est, c'était à Kinshasa. On a dû faire une cartographie, leur montrer la carte du Congo pour montrer que là où il y avait la guerre, c'était comme si quelqu'un quittait la Californie et allait vers Washington et que ça n'avait rien à voir avec Kinshasa. Donc je crois que c'est aussi un travail pour nous, Congolais, de montrer aussi cette belle image de ce que nous sommes. Est-ce que nous aimons notre pays pour en arriver à
à raconter le Congo autrement. Parce que le Congolais, tout de suite, quand on lui pose la question sur son pays, qu'est-ce qu'il dit ? Chez moi, ça ne va pas, mes autorités, ça ne va pas. Nous n'aimons pas raconter la belle histoire de notre pays, non ? Je crois que il se pose un problème avec nous. Je rencontre beaucoup de gens. Lorsque vous rencontrez les Nigérians, mm-hmm. ils vous présentent le Nigeria comme un des plus grands peuples au monde. Et ils sont partout dans la société américaine. Le président, l'ex-président, ancien président américain Donald Trump, lors de sa campagne, sa première campagne, racontait que les Nigérians ont fait de Houston un peu comme leur village. Donc ça veut dire qu'ils sont ancrés et ils montrent la société nigériane comme un des meilleurs, alors qu'on sait qu'il y a des guerres religieuses, qu'il y a beaucoup haram, il y a des enlèvements des gens. Malheureusement, nous sommes, je crois qu'on est un peuple qui a été tellement traumatisé par plusieurs choses. La traite négrière, la colonisation, la dictature. Oui, mais ça, il y a eu partout, au Sénégal, partout. Bon, pourquoi ? Mais malheureusement, nous présentons que le mauvais côté. Et alors que nous avons des tas de choses que nous pouvons faire valoir. Je vous donne promouvoir. J'ai dit, par exemple, dans une radio en Martinique où j'avais été invité, que le Congo avait à peu près 400 tribus, 400 peuples et plusieurs, presque 450 langues. Ils étaient choqués et m'ont demandé comment vous arrivez à vivre ensemble. Mm-hmm. J'ai dit, mais c'est ça la beauté du Congo. Et je crois que c'est ce travail que nous devons faire individuellement, mais aussi de manière institutionnelle, mm-hmm. Montrer, passer par les grands réseaux de communication au monde pour montrer que le Congo, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la famine, le Congo, c'est aussi sa beauté. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens quand nous étions en France, en formation, vous présentez à manger à un compatriote qui vient d'arriver, il vous dit tout de suite, mais Oyo, Oyo, Nakongo, Nazaïre, mais Okuliamondeni, Mouezate, alors que c'est du poulet, c'est un steak. Je ne sais pas ce qui a été fait quand on parle de président. Moi, je me souviens, j'avais un ami malien qui était de l'opposition. Attention, ne parlez pas du mal de son pays. Il a failli tuer un collègue parce qu'il voulait parler du mal de son pays. Et le collègue lui dit, mais toi, tu es de l'opposition. Il dit, non, touche pas à cette affaire-là. Le Mali, là, touche pas. Au nom de Dieu, touche pas. Hein, vous pouvez parler d'autre chose. Et nous, on se complaît. Il faut vraiment qu'on change. Ça, il faut qu'on le raconte à nos compatriotes. C'est justement ce qui nous différencie. C'est le complexe du noir, je crois. On croit qu'en parlant du mal du pays, on fait plaisir aux blancs. C'est justement ce qui nous différencie avec beaucoup de peuples. Je travaille, comme je vous ai dit, avec beaucoup de gens, avec des Haïtiens et tous, avec beaucoup d'autres différentes personnes venues d'ailleurs. Mais je vous dis, par exemple, j'ai un client népalais. Lorsqu'il vous parle du Népal, vous pensez que c'est un paradis sur terre. Mais alors qu'on sait que c'est un des endroits assez compliqués au monde. Lorsqu'il vous parle de sa nourriture, parce que ce client que je coach en affaires et en écriture tient un restaurant, il vous parle de leur nourriture de manière incroyable. Mais le jour où je me suis permis de goûter cette nourriture, je vous dirais clairement que j'ai pas pu mettre trois bouchées dans la bouche. Donc, le vrai problème, c'est que nous devons promouvoir le Congo qui réussit. Le Congo, parce qu'il n'y a pas que les malheurs dans ce pays. Il y a aussi des bonnes choses. Et bien souvent, on le réalise en étant à l'extérieur. En fait, je suis allé à Goma en 2019. Je me suis exclamé comment je ne suis jamais venu dans ce coin du pays. Je me suis senti d'une paix incroyable en étant à Goma pendant une semaine au bord du lac, mangeant de la nourriture locale, respirant l'air frais. C'était incroyable. Et je me suis promis un jour d'amener mes enfants à visiter le parc de Virunga. Donc il nous faut, en tant que peuple, essayer de faire ce travail
malgré tous les malheurs et toutes les difficultés dans lesquelles on est en train de traverser. Oui, ce sont des difficultés qui sont passagères. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas... nous sommes classés à quel niveau dans le public américain? Disons, il y a le classe 1, classe 2, classe 3. Nous, nous sommes sans doute... Il y a beaucoup de statistiques qui sortent. Le tout dernier, par exemple, en 2016, la RDC a été le pays qui a amené le plus de réfugiés aux États-Unis. Il y en a eu à peu près 16 000, alors qu'à l'époque, la guerre en Syrie était très forte et la Syrie n'était qu'à 12 000, nous on était à 16 000. Et actuellement, par exemple, si vous allez sur le site du département d'État, le Congo, qui était la catégorie 3, maintenant on est au niveau 4, c'est-à-dire le pays où il ne faut pas y aller pour plusieurs raisons. La Covid, c'est vrai, mais il y a aussi des questions d'insécurité, d'instabilité politique. Donc c'est toutes ces choses que nous devons, en tant que Congolais, qui nous défavorisent. C'est clair, c'est leur travail, c'est à ces pays-là, c'est normal pour eux, ce sont leurs statistiques. Mais il nous faut à nous aussi travailler pour donner une belle image de nous, pour attirer du monde. Et vous savez, bon, sait-on jamais, vous savez, quand on classe, on dit ce pays, il ne faut pas y aller. C'est parfois par stratégie pour que seuls les gens intelligents puissent y aller, seuls les gens qui savent qu'il faut profiter des circonstances pour qui y vont. On fait peur aux autres et on y va pour gagner plus et trop rapidement. C'est vrai, nous avons tort de traiter notre pays comme nous le traitons. Parfois les étrangers, je le dis souvent dans cette émission, on a l'impression que les étrangers aiment plus ce pays que nous-mêmes. Moi, je connais des gens qui étaient incapables de faire des vacances de 3 mois. Au bout de 2 mois, ils disaient à sa femme, on rentre. On rentre au Congo. Des expats, hein. C'est vraiment extraordinaire. Alors, dans le milieu dans lequel vous vivez, comment les Congolais vivent-ils ensemble? Est-ce qu'ils ont des fêtes? Ils organisent ensemble? Et qu'est-ce que vous dites autour de ces fêtes? Bon, il faut dire une chose, que la communauté congolaise, elle est importante dans certains coins, du côté de Charlotte, du côté de Dallas, du côté de l'Illinois et vers Chicago. Il y a des villes qui contiennent, où il y a une communauté congolaise forte. Mais entre les difficultés d'installation et d'acclimatation, les mentalités congolaises qui est comme une barrière pour nous-mêmes, parce que vous allez dans certaines villes, je vous donne l'exemple de Dallas, où il y a près de 16 000 Congolais dans une seule ville. Mais jusqu'il y a quelques années, parce que j'ai vécu là-bas il y a quelques années, il n'y avait pratiquement pas des médecins, il n'y avait pratiquement pas de d'affaires, quand je dis affaires, aux de médecins exerçants. Et médecins exerçants ayant des cabinets qui peuvent faire. Parce que quand vous y allez, vous trouvez des Indiens qui ont des cabinets. Mmh. Et les États-Unis est un pays multiculturel, certes, mais c'est un pays où les gens vivent de manière sectorielle. C'est un paradoxe. Il y a des coins chinois, il y a des coins indiens. Et les gens, lorsqu'il y a de manière naturelle, si c'est un cabinet indien, vous trouvez la plupart d'Indiens là-bas. Mais chez nous, naturellement, moi compris, je n'irai pas voir un avocat congolais si j'ai un problème, de manière naturelle. Je vais préférer aller vers un Camerounais. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est nous, en fait. Mais il y a aussi des problèmes des vies privées, en fait. Mm-hmm. J'irai voir un avocat, mais est-ce qu'après, voilà, mon dossier ne va pas se retrouver sur la place publique? C'est toutes ces choses qui font que, malheureusement, qui posent problème. On a du mal à être ensemble, même lorsqu'on est une force, en fait. Je crois que ça aussi, c'est aussi dû au fait que des projets avaient été lancés au départ, mais à cause du fait que les projets de départ n'avaient pas réussi, les gens se méfient, en fait. Donc, notre défaut, la diarrhée verbale, le racontard, on n'est pas discret, ça, non seulement ça nous discrédite, mais ça nous tue.
Je ne le dis pas, mais je me mettrai dans cette position-là. Mm-hmm. Parce que, vous savez, le professionnalisme, par exemple, dans certains coins comme aux États-Unis, ils sont une société très millimétrée. Beaucoup de règles, beaucoup de disciplines, un état policier, on joue pas, on fait pas ceci. Donc il nous faut en tant que peuple entrer dans cette logique-là de discipline, de concurrence permanente, de discrétion et d'amour entre nous pour que nous arrivions à faire quelque chose. Ce qui est clair lorsque vous regardez, vous suivez même les informations, chaque peuple, jusque hier je suivais l'information sur l'Afghanistan, l'Amérique, le président américain prend des décisions en fonction de son peuple, de sa communauté. Et il nous faut, en tant que communauté aussi, arriver à faire des choses. Nous arrivons à le faire, mais en petits groupes. Mm-hmm. Politiquement, il y a quand même des gens organisés. Hein? Pardon ? Politiquement, UDPS, PPRD, non ? Les communautés congolaises sont organisées en communautés congolaises de chaque ville. Vous avez comme ça dans des villes, communautés congolaises de telle ville, communautés congolaises de Washington. Et ça, c'est un début d'organisation et qui fait que lorsqu'il y a des incidents, facilement, vous pouvez appeler le président de la communauté et dans les heures qui suivent, ils sont là, ils se dévouent à travailler bénévolement sans salaire. Donc ça commence. Aider. Ça commence. Mais maintenant, il nous faut aller au-delà de ça, au-delà d'attendre des malheurs. Mmh. C'est réunir autour de projets qui réussissent. Parce qu'autour des malheurs, les gens se réunissent, les gens arrivent, les gens cotisent, les gens font des choses. Mais il nous faut maintenant aller au-delà de ça. Moi, j'ai toujours dit aux gens, pourquoi attendre mon décès pour m'aider alors que j'ai besoin d'aide maintenant pour réussir. Donc, c'est cette démarche, c'est cette difficulté que nous avons. Mais je crois que... tout ça aussi est le reflet de ce qui se passe au pays, parce que nous sommes en fait la continuité de ce qui se passe ici. Et il nous faut, je crois qu'avec tout ce qui, les échos positifs qu'il y a ici au pays, je crois que les choses vont. Quand vous arrivez comme ça, vous n'êtes pas acclimaté, est-ce que vous trouvez des facilités chez certains compatriotes quand même ? Oui, beaucoup. Moi, je suis arrivé en plein hiver. J'ai commencé à travailler 4-5 mois après. Je vais dans une ville où il n'y avait pas de transport en commun. À Dallas, par exemple, il n'y a pas de transport en commun, du moins dans le quartier où je vivais. Mais je devais aller travailler à 25-30 minutes de route. Je vous assure, des gens allaient me déposer et me ramener, des fois gratuitement, sans que je paye quelque chose. Des Congolais. Mm-hmm. Je me rappelle même d'un ami qui, lui, je l'attendais qu'il termine son service à 14h. Il n'avait pas de voiture, donc il allait emprunter une voiture, venait me chercher à 14h30, me déposer parce que j'ai commencé à 15h, et je trouvais quelqu'un d'autre au travail qui me ramenait. Donc il y a des choses positives, et moi je garde un souvenir positif des tas de gens qui ont été pour moi... Je vais être provocateur, ce jour-là était de Bandundu. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ah, mais ça commence à venir. Et d'ailleurs, lorsqu'on vit dans un tel monde, on ne se pose pas, du moins, je ne me pose pas la question de l'origine de la personne. Je me pose plutôt la question, est-ce que la personne est prête à m'aider? Parce que quand je me retrouve dans une ville où, à 30 minutes de chez moi, où il n'y a pas de raccourcis, il faut prendre l'autoroute, je ne me pose pas la question de l'attribut d'une personne. Mm-hmm. C'est celui qui est là. Pour moi, c'est celui mon frère. Mm-hmm. Et les étrangers, lorsque nous voient, ils ne savent rien de nos tribus. Ils disent, vous êtes Congolais. Je me rappelle le premier jour, je suis allé travailler. Je ne savais pas comment j'allais rentrer. J'ai terminé mon service à minuit 30. Minuit 30. Et je pose la question à un Indien qui était là. Il me dit, tu vas vers où? J'ai dit, je lui donne le nom du quartier. Et il me dit, ah, mais attends, je connais une Congolaise qui va t'aider. Hein, qui, je crois qu'elle habite dans le coin. Elle va chercher la dame, il dit, mais j'ai un de vos frères ici qui est là, qui doit rentrer. Et la jeune dame vient, il me dit, tu es de quel coin? J'explique le quartier. Et la dame m'a ramené chez moi. Elle n'était pas du bon doudou. Donc, j'ai dit ça pour rigoler, vous savez bien. C'est important de le dire parce que de plus en plus dans l'opinion congolaise, les questions du tribalisme sont en train de remonter, un peu comme à l'époque des indépendances. Et il est important de montrer que il n'y a pas que ça.
il y a des gens qui vivent ensemble. Moi, je suis du Bandundu, je suis marié à une Kasaïenne. Et la vie avance. Pourquoi est-ce que je me poserais la question de la tribu d'une personne alors que celle qui est avec moi, la vie avance? Mais oui, la fraternité, ce sont des valeurs sur lesquelles il faut s'appuyer. Voyez-vous, nous, on le constatait avant, quand on avait du plaisir de voir quelqu'un qui était habillé en abacos et on l'approchait tout de suite, c'était ou le Lingala ou le Swahili. Il faut que cette solidarité puisse renaître. Et les étudiants congolais, vous dites qu'il n'y a pas de médecin, je voudrais bien comprendre. Il n'y a pas de médecin dans un coin parce qu'ils n'ont pas réussi leurs études ou bien parce que tout simplement, quand vous montez un cabinet, les Congolais ne viendront pas. Non, les médecins, il y en a. Je vais peut-être vous surprendre. Chaque année, lorsqu'il y a collation, la période des collations, des grades, il y en a deux par an. Vous avez des étudiants congolais qui terminent dans pratiquement toutes les... Je ne dirais pas toutes, je n'ai pas de statistiques, mais vous voyez sur les réseaux sociaux, dans tous les états, des étudiants congolais qui terminent. Donc, les personnels formés, il y en a dans tous les domaines. Et même dans des endroits où vous ne pouvez pas imaginer, dans des grandes entreprises comme Boeing, et vous trouvez des Congolais partout. La question que nous nous posons, c'est que, en tant que communauté, nous devons faire un effort pour nous coaliser. Mm-hmm. Comme les autres le font. Les Juifs le font. Quand ils sont dans une ville, ils font des affaires entre eux, les Indiens et consorts. Ils nous font, en tant que peuple, en tant que communauté, dans un pays étranger, coaliser pour que celui qui est médecin, par exemple, qu'il ait un cabinet médical, fréquenté par ses frères, je serais content qu'il y ait des millionnaires congolais par la médecine, par la science, par ceci, par cela. Mais il nous faut, coaliser. Et c'est quelque chose que nous, on n'a pas encore pu faire, contrairement à d'autres communautés comme les Nigérians et autres. Mmh. Ouais, les Nigérians, ils ont aussi mauvaise réputation, non mais franchement, du damo là-dessus. Oui, c'est justement ce qu'on est en train de dire. Les Nigérians, ils sont envahissants et je crois que ce que le Congolais ne fait pas, il ne va pas trop dans des trucs compliqués, la drogue et tout ça, mais nos amis Nigérians, ils n'ont pas peur, ils tentent un peu de ce côté-là, ce qui salit un peu la réputation. C'est vrai, le Congolais n'est pas trop dans la mafia, dans des choses compliquées, ça il faut le dire. Pas trop, mais certains... Oui, de manière individuelle, mais les Congolais ne sont pas trop dans des choses compliquées. Mais maintenant, il nous faut, je crois que les Nigérians... Ils ont ce côté, cette volonté de dominer. Et c'est ce qui nous manque en tant que peuple, la volonté de dominer. Les Américains le disent de manière claire. Nous voulons devenir ceci. Les Chinois le disent. Ils veulent devenir première puissance mondiale. Les Japonais le font. Les Russes le font. Et nous avons tout. Pourquoi nous ne pouvons pas dire qu'à l'horizon 2030, nous devons dominer l'Afrique? Et c'est ce qui nous manque en fait. La volonté de dominer. Pas dominer dans le sens de détruire les autres, mais dominer, de devenir une nation forte, puissante et qui tient les rênes dans plusieurs domaines de la Pourquoi vie. Pourquoi ce manque d'ambition? Pourquoi? C'est dû à quoi? Je ne le sais pas, mais lorsqu'on regarde l'histoire du Congo, on se rend compte que on a pratiquement jamais décollé en fait, alors qu'on a toujours tout eu. La colonisation est arrivée, les indépendances sont arrivées, on a embarqué tout le monde là-dedans, avec par exemple les personnes comme Lumumba qui dans le nom porte partout. Je suis surpris quand je discute avec les Antillais, ils vous parlent de Lumumba de fois comme bien meilleur que je le connais, alors que j'ai la résidence Lumumba pas très loin d'ici, que j'ai jamais visité. Donc je crois qu'il nous faut réenseigner l'histoire pour remettre le Congolais, amener le Congolais à comprendre qui il a été vraiment et qui il est et quel rôle il doit jouer. Oui, et puis promouvoir également nos hommes politiques, du moins ceux qui valent la peine qu'on puisse les promouvoir. Quand vous avez un chef, le respecter,
Et puis, le mettre au nu, c'est-à-dire promouvoir son image, ça fait du bien. On se décrète pas puissant, c'est par la manière d'agir. Exactement. Quand on touche au Congo, on touche à votre amour propre, il faut réagir de manière à ce que on se fasse respecter. Alors, je crois qu'on va, terminer. La régie va me dire combien de minutes il reste. Je vais montrer à un autre ami d'en face qui me fasse un gros plan sur cela. Qui sont là? Je vous vois ici. Et les autres, c'est qui sont? En fait, avec ma fondation et tout le club d'amis que j'ai, nous avons décidé justement pour promouvoir ce Congo positif, ce Congo qui marche, ce Congo qui ce Congo joyeux, créer une passerelle entre les Amériques et le Congo pour ramener des Afro-Américains mais aussi Antillais qui ont des sources congolaises. Quand les gens disent sources congolaises, nous disons ceux qui sont issus d'esclaves partis d'Afrique, partis du Congo. Nous ne parlons pas ici de traite des négrières sous sa forme tragique, mais nous parlons ici de l'opportunité que cette histoire a pour valoriser notre pays comme le Sénégal, le Ghana le fait. Et donc nous avons ramené au mois de mai un groupe d'Afro-Américains visiter le Congo, et là nous travaillons pour que l'année prochaine, pour que régulièrement, que cette passerelle-là soit de manière permanente et que le Congo positif, le Congo qui réussit, le Congo tel qu'on voudrait que les autres le voient, soit valorisé au niveau ailleurs, en fait. Alors, comment on peut savoir qu'on vient du Congo? On fait des tests d'ADN ou... Aujourd'hui, il y a des entreprises qui proposent de tests ADN. En fait, voilà comment ça fonctionne. Ils ont fait des prélèvements un peu partout dans le monde. Il y a même une entreprise qui est allée jusqu'à 500 000 prélèvements dans le monde. Et lorsqu'on prélève l'ADN de la personne, on fait une comparaison avec les échantillons qu'on a et on peut déterminer plus ou moins à combien de pourcents l'ADN de la personne correspond à différents groupes. C'est comme ça qu'il est difficile de dire qu'à 100% une personne vient de tel coin, mais on peut dire 40 de tel pays, 10 de tel pays. Et ceux-là qui sont venus, qui sont sur la photo avec moi, leur ADN viendrait du Congo. Et même celui qui est sur la kia, qui porte la cravate, oui, et a une histoire assez particulière. Il est historien, mais il est aussi homme politique. Il est de la 7e génération d'esclaves partis du Congo. Et nous avons même, nous connaissons même quelqu'un, je connais quelqu'un personnellement, que nous allons d'ailleurs inviter au Congo d'ici là. Lui, son grand-père ou son arrière-grand-père est parti du Congo dans le dernier bateau documenté qui a pris les esclaves ici en 1858. Et il a même l'acte de décès de son ancêtre. Et dans l'acte de décès, il y a son nom parce qu'on leur donnait des noms américains. C'est bien écrit, né en Afrique, fils de Yango. Yango comme André Kimbuta Yango. Et le jour où je lui dis, écoutez, moi je suis du Congo et que j'ai dans ma propre famille des Yango, un monsieur de presque 60 ans a failli pleurer au téléphone. Parce que pour lui, c'est une histoire incroyable. C'est une partie de l'histoire de leur famille qui s'est reconstituée. Avec Kimbuta, vous avez des parentés? Non, pas du tout. Parce que vous êtes des Yango. Yeah. Bon, c'est pas grave. Alors, non, mais c'est vrai, nous le disons comme ça, en blaguant, nous sommes un peuple qui n'aime pas son pays. Il faudrait que nous apprenions à aimer ce pays. Moi, j'ai eu l'avantage d'aller partout au pays et à l'extérieur. Nous avons un pays extraordinaire, qu'on ne peut qu'aimer, mais... beaucoup de choses nous jouent des tours. Je crois que ça commence à changer. Commence à changer. Même si ce n'est pas à la même vitesse qu'on souhaiterait, mais ça change. La chance serait que nous ayons des moyens de communication qui feraient en sorte que facilement vous puissiez aller vous parler de Goma. Moi, il y a un coin où, lorsque j'y arrive, je dors comme un loir. C'est plutôt à Bukavu.
J'ai un coin que j'aime, j'allais dire que je préfère, c'est Kisangani. Le climat, il est merveilleux. J'ai une ville que j'adore, c'est l'ex-Jadeville, parce que c'était une ville la plus belle d'Afrique. À l'époque, je ne dis pas cela parce que c'est ma ville natale, c'est vrai. Donc il y a des coins dans ce pays, quand vous y allez, vous vous dites, mais je suis un béni de Dieu parce que Dieu a voulu que je sois là. Et cette histoire dont a rêvé Lumumba, l'histoire qui serait écrite par nous-mêmes, il va falloir que nous puissions l'écrire et qu'en nous entremariant, nous puissions faire découvrir à nos enfants l'immensité de ce territoire et la beauté de ce pays. De ce pays. Qu'est-ce que vous avez comme dernier mot là ? Je m'aurais dire que il n'y a pas que de mauvaises choses dans ce pays. Et, c'est vrai que tous ces traumatismes que nous vivons, notamment que nous avons connus, notamment avec les différentes instabilités politiques, nous ont toujours perturbés. C'est comme ça que j'en appelle aussi au pouvoir politique de comprendre la nécessité de maintenir un climat de paix et de tranquillité dans le pays, notamment lors des élections. C'est important parce que ça permet, c'est un indicateur qui permet aux étrangers de voir si le pays est stable ou pas, s'il faut investir ou pas, ou s'il faut visiter ou pas. J'ai visité des endroits au monde, honnêtement, je me suis dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici alors qu'on a bien meilleur chez nous? Mais, comme on dit, c'est la tranquillité qu'il faut. Et nous sommes contents que les dernières élections se soient passées dans plus ou moins dans le calme et que le passage entre l'ancien président et le nouveau se soit fait dans la tranquillité. Et nous souhaitons que dans l'avenir, que des choses comme ça continuent pour que les efforts que les uns et les autres fournissent pour vendre le pays positivement puissent porter du fruit dans le futur. Parce que chaque fois qu'il y a instabilité, il y a cassure dans le travail et ça pose problème. C'est vrai que pour promouvoir l'image de marque de quelque chose, encore faudrait-il qu'il y ait des bonnes choses. Parce que la vente de l'image de quelque chose ne peut partir que de la vérité. La communication par l'essence, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas vendre la guerre. Pas du tout. Vous ne pouvez pas vendre les tueries. Mais vous pouvez vendre l'or, le diamant, le cuivre, le cobalt. Mais pourvu que les gens puissent y accéder facilement, sans problème. Merci, monsieur Impion. En fait, votre nom est facile. En fait, c'est champion. On enlève tout le reste et puis c'est bon. Eric, j'étais très heureux de vous consacrer ce numéro parce que même de loin, vous nous suiviez de temps en temps, vous suiviez profondeur. Exactement. C'est un honneur pour, pas pour moi, mais pour le club, pour tous ceux qui suivent. Et j'étais très, très heureux de vous recevoir. Vous avez l'air très jeune. Quel est votre âge? Ce qui est sûr, j'ai plus de 40 ans. Voilà, il a plus de 40 ans, c'est Eric, sympathique. Merci d'être venu et à la prochaine. C'est fut un honneur. Merci, au revoir. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, messieurs, au revoir. J'espère que cette émission vous a plu. Vraiment, il est venu, il m'a cherché, il a remué, il n'a pas remué, c'est des tels, Sierre et tel, mais parce que vous me connaissez, eh bien, il est tombé sur quelqu'un qui l'a conduit jusqu'à moi pour que je puisse faire ce numéro profondeur pour lui. Merci d'être venu et merci de nous avoir suivis. Bonsoir et au prochain numéro.